Bonjour, bienvenue cette semaine à l'émission du Haut-des-Airs. On vous amène dans la grande région de Québec à découvrir deux belles activités d'aventure spectaculaires. On vous amène en premier lieu au Mont-Sainte-Anne pour vous faire découvrir le parapente avec deux passionnés de montagne et de plein air, Steve et Annick McLean du magazine Découverte. On s'en va rejoindre René Marion de l'entreprise Aérostyle au sommet du Mont-Sainte-Anne. Alors, je suis parapentiste depuis 1982. J'ai commencé en France, dans les Alpes. Et je suis au Mont-Sainte-Anne depuis 1992, où on a une école de parapente à temps plein. Donc, le parapente, c'est du vol libre, donc du vol sans moteur. Ça ressemble à un parachute, mais ça permet de planer dans les airs beaucoup plus longtemps, voire même monter, prendre de l'altitude. Et on fait des initiations autant au niveau formation d'élèves, donc des gens qui veulent apprendre le parapente, ou des initiations découvertes, avec des vols en tandem où les gens n'ont besoin d'aucune expérience requise. On les emmène en haut de la montagne et puis ils vont voler différentes durées selon le forfait qu'ils vont prendre. Donc ça, c'est très facile. C'est la première étape avant de commencer un cours pour la plupart du monde. Le vol va durer entre 10 et 15 minutes, mais dès que le vent souffle ou qu'il y a des courants chauds, des bulles d'air chaudes qui montent, là ça peut s'éterniser. On peut voler 2, 3 heures, 4 heures. C'est sûr qu'au niveau des initiations, on va se limiter à des vols pas trop longs, 10-15 minutes, voire 20-25 minutes ou 30-35 minutes qui est notre vol prestige le plus long. Mais après, les pilotes, eux, un pilote breveté, lui, il peut décoller à 11h et puis atterrir à 6h le soir. Il y a des journées, c'est très, très beau. Puis même aller se balader en direction de Québec ou en direction du Charlevoix, puis revenir à son point de départ quelquefois. Voilà, donc ça, c'est le plaisir du parapente. C'est pas de sauter d'un avion et puis d'atterrir quelques minutes plus tard. Le but d'un parapentiste, c'est de rester le plus longtemps possible en vol et de profiter des ascendances et puis de faire des vols de distance. Ça, c'est le Graal un peu pour nous autres, là. L'hiver, c'est ça, c'est des vols plus courts. Le paysage est différent, c'est plus contemplatif, moins sportif. Et puis évidemment, la température nous limite aussi les durées du vol, parce que voler en hiver à moins 20, on ne passera pas une heure en vol, là. C'est sûr que même s'il y a des courants ascendants, durer une heure en vol par moins 20, c'est difficile. Il fait très froid, surtout pour les pilotes. On a les mains en position haute, comme ça, et le sang quitte nos mains. Et en plus, avec le froid, on va se geler. Voilà. Alors, le Mont-Sainte-Anne, c'est quand même un site très panoramique. On a quasiment un 360 degrés sur toute la région de Québec, Charlevoix, la rive sud avec le fleuve et tout. Il y a peu de sites comme ça au Québec, là.
Donc, c'est quand même assez unique. On a un gros dénivelé aussi, puisque des dénivelés de 600 mètres, il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous allez ressentir très rapidement l'altitude. Dès qu'on décolle, on est rapidement haut. Après, les sensations de vol, c'est très personnel à chacun, comment on le vit. C'est pas commun d'être assis dans les airs avec les deux pieds qui reposent sur rien. On n'a pas une cabine qui nous entoure comme en avion. On est assis dans les airs et on ressent les mouvements de la masse d'air. Donc ça, après, comment les gens le vivent, nous, on a tellement de commentaires différents d'un passager à l'autre, c'est ça aussi. Là. D'ailleurs, c'est un des bons côtés de notre travail d'instructeur, c'est de voir les émotions des gens, comment ils dégagent. C'est très particulier. Là. Venez le faire! C'est le mieux, c'est de le vivre, au moins une fois. Toujours dans le même thème des sports de vent, cette fois-ci, nous vous amenons dans la région de Saint-Nicolas pour vous faire découvrir le kiteski et vous initier avec l'entreprise Paraski de Carl Réaume. Bonjour, bienvenue chez Paraski Aventure. Mon nom, moi, c'est Carl Réaume. Vous êtes ici pour un cours d'initiation paraski. Nous, ici, on enseigne deux choses. Le paraski, qui est vraiment accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir des heures de pratique. Et on enseigne aussi le kite snow, qui est une dérivée du kite surf qu'on voit l'été sur l'eau. Par contre, le kite surf, c'est un sport vraiment technique. Il faut apprendre à piloter sur volant. C'est vraiment compliqué. Ça demande beaucoup plus d'heures de formation, tandis que le paraski, après une petite heure, les gens sont déjà avec leur ski puis ils se promènent, ils s'amusent déjà la première journée. C'est pour ça qu'on va initier plus de gens au paraski plus facile. On commence par un cours de théorie. C'est environ 45 minutes qu'on fait à l'intérieur, à chaleur. On va pas dehors tout de suite. À la fin du cours, on va à l'extérieur avec les voiles. Vous n'avez pour 2 heures à vous amuser dans le champ avec vos skis puis la voile. Lâche tout, lâche tes cordes, laisse l'arnais tout faire le job. OK, à gauche, change les mains pour aller à gauche. Parfait, on est parti. Youhou! On remonte la voile en haut, change les mains de bord. Parfait, t'es parti de l'autre côté. Le commerce ici existe depuis 9 ans. On est ici tous les hivers jusqu'au 31 mars. On est dans un endroit où il y a un corridor de vent intéressant. Comme c'est un sport de vent, ça nous prend. Ici, on est taxé avec le fleuve Saint-Laurent. On a un bon vent qui est vraiment constant. C'est pour ça que le champ est intéressant à proximité de Québec aussi.
Bien, les voiles, on a plusieurs types de grandeurs de voiles qu'on utilise selon la force du vent et selon le poids de la personne. Puis on adapte aussi la voile, on peut adapter la voile en l'attachant différemment pour le vent, la force du vent qu'on a. On a des personnes de 10 ans aller à 80 ans qui en font, c'est vraiment accessible. On voit le décollage, c'est le décollage d'une voile. Le sport de kite, ça c'est un kite, on s'entraide beaucoup entre les participants. Tout le monde se décolle et s'atterrit, tout le monde s'entraide, c'est plus facile de décoller. C'est beaucoup technique à décoller. Fait que pour faire ça en sécurité, quand on a la chance d'avoir quelqu'un pour nous aider. Les deux voiles qu'on utilise, on va aller environ à la même vitesse. On peut atteindre les vitesses du vent. Si on a des vents de 50 km/h, on peut facilement atteindre 50, même 60 km/h en ski, que ce soit avec une voile ou l'autre. La voile de kite, on peut faire un petit peu plus au niveau des sauts. Les gens qui sont vraiment expérimentés peuvent atteindre des hauteurs de 20-30 pieds dans les airs avec leur voile, en sautant, faisant des manœuvres. Le feeling en sport de vent, en kite ou en paraski, c'est un feeling de surfer aussi, un peu sur un nuage, un petit peu pendant un certain temps. C'est un sport de glisse, un peu comme on va faire en snow ou en ski à la montagne. Par contre, on est actif toujours. La minute qu'on attache notre cerf-volant, on met notre cerveau à off, puis on devient dans notre petite bulle. Il faut vraiment gérer l'environnement, le vent, la neige, les skis, le maniement de la voile. C'est ce qui, pour la plupart des adeptes, ce qui est le plus le fun, c'est qu'on se vide complètement le cerveau pendant une heure ou deux. On devient en transe là, pendant une couple d'heures, puis on oublie tout. C'est ce qui est un peu euphorisant là, de notre sport, là, des sports de vent. Alors, je m'appelle Pierre Vaillancourt, mes amis m'appellent Pierre Leloup, et j'ai la chance et l'honneur d'être le guide naturaliste de la forêt Montmorency. La forêt Montmorency, bien, c'est la forêt de recherche et d'enseignement de l'Université Laval, et c'est la plus grande forêt d'enseignement universitaire au monde. La forêt Montmorency fait partie de la sapinière à bouleau blanc. Et le mandat de l'Université Laval ici, c'est de développer une foresterie écosystémique, acceptable socialement, rentable, de favoriser la recherche, l'enseignement et surtout, et puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec nos ski raquettes et avec nos raquettes, de développer tout ce qui s'appelle utilisation polyvalente. Alors les forestiers passent, font un aménagement, une coupe,
Et par la suite, c'est les gens de plein air qui vont profiter des chemins, des montagnes dégagées pour faire le ski de fond, le ski raquette, pour aller à la pêche en été. Alors, c'est tout d'essayer d'allier les activités autour d'une foresterie écosystémique. À la forêt Montmorency, l'habitat est particulièrement riche et diversifié au côté faunique. Et une belle journée de ski de fond ou de raquette, c'est pas rare, et c'est même fréquent au départ ou au détour d'un sentier, de croiser un orignal, une femelle avec son veau de l'année, ou un mâle, ou quelques orignaux qui se regroupent ensemble pour l'hiver dans ce qu'on appelle le ravage. Bien sûr, c'est important pour nous de leur laisser la priorité, de ne pas les approcher, de ne pas les poursuivre, pour limiter la dépense d'énergie en hiver. Mais l'observation de l'orignal ici est faite régulièrement et très fréquemment. L'éducation en milieu naturel fait omniprésence dans nos activités de plein air. Que ce soit le ski de fond, la raquette, le ski raquette, pour moi, une belle balade en forêt, c'est une balade qui va allier le sport, le plein air, la santé, mais en même temps aussi l'apprentissage. Apprentissage, découvrir l'écosystème dans lequel on évolue. C'est quoi la sapinière à bouleau blanc humide? Qu'est-ce qu'on retrouve comme sorte d'arbre, comme sorte d'oiseau, comme sorte de mammifère? Puis, pourquoi pas aussi utiliser nos sens? Goûter les produits de la forêt boréale. On a des activités de la forêt à l'assiette ou après une randonnée en raquette où on a découvert la différence entre le sapin et l'épinette, où on a cueilli des rameaux de sapin, on revient en laboratoire, on fait sécher, on transforme, on cuisine. On a des activités également de cueillette et de transformation du champignon. Alors, toujours allier activités de plein air avec éducation en milieu naturel, c'est ce qui donne du sens ici à la forêt Montmorency. Au niveau du ski raquette, on a développé un domaine skiable de tout près de 100 hectares. Où tantôt, il y a des sentiers aménagés qu'on a nettoyés qui nous permettent de skier avec 60 cm de neige au sol. Parfois, des sentiers hors-piste ou des grandes zones là, de CPRS, de coupe avec protection de la régénération des sols, où là, on conseille 1 mètre de neige au sol pour éviter les obstacles. Le ski raquette et la raquette à la forêt Montmorency, on peut le faire partout, en piste ou hors-piste. On parle quand même d'un réseau de 32 km de pistes de raquettes balisées, de 6 refuges, de haltes chauffées, d'une cinquantaine de kilomètres de ski de fond, en classique ou en patin. Alors, de quoi s'amuser là, pendant un week-end complet. Et le ski raquette, pour moi, devient un équipement tellement polyvalent. C'est un hybride entre le ski et la raquette qui nous permet d'aller sur la piste ou hors piste pour découvrir ces merveilleux paysages-là. Et puis, on peut en faire sur les 412 km² de la forêt, si on veut. Le pavillon d'accueil de l'université ici sur le site a 52 chambres en occupation simple ou en occupation double et en occupation triple. On a aussi 7 chalets sur le territoire. On a 2 unités d'autonomes où on peut loger. À pleine capacité sur le site, on peut avoir 200 personnes. On a un auditorium, des salles de réunion. Bref, ce site-là ici est capable d'héberger beaucoup de personnes en même temps. Et puis c'est ce qui fait que les fins de semaine sont passionnantes ici. Forêt Montmorency est ouvert à l'année, 365 jours par année, 7 jours sur 7. Dans le fond, le public, en venant ici, aide l'université à participer, à faire son projet de recherche. Ce qu'on espère, c'est que quelqu'un qui vient à la Forêt Montmorency va repartir en ayant appris quelque chose, des recherches ou des enseignements qu'on fait à l'Université Laval.
Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous a donné le goût de vous initier à des nouveaux sports d'hiver. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres aventures du Haut-Désert.